Coucou! Allô tout le monde! Donc c'est Mike, voici Cindy et Yann. Hello. Hello! Ils vont m'assister pour mon jeu de 2001, Zelda Oracle of Ages. Vous êtes prêts? Yes! Oh oui, moi je suis prête. Comment je l'appelle, mon bonhomme? Tony! 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 Sérieusement? Oui, oui. Es-tu d'accord avec ça? C'est bizarre, mais regarde. Moi, j'aurais appelé standard ligne. Suggestion, hein? Quand tu peux mettre le jeu en attendant Zelda. Mais non. Tony, je trouve ça cool. Tony. Let's go pour Tony. À la demande de Yann. Donc, oui, bonjour, comme je disais. On va mettre ça en speed 5. Ah, la vitesse des messages. Hein. Ouais. Donc, ça roule. Accept your our quest, hero. Avez-vous déjà joué? Ouais, moi j'ai fait Oracle of Ages, Oracle of Season, puis je les ai même faites avec les... Je les ai comme faites deux fois chaque, vu que t'as comme les mots de passe là, qui s'interchangent. Ça c'est vraiment... Ils en font-tu encore des jeux de même? Je pense pas, non. Non. Moi j'ai fait Oracle of Ages. Ça fait vraiment drôle de voir Tony écrit à l'écran. Je vois pas qu'est-ce qui est écrit sur le chat parce que j'ai un micro. Brésil dit que c'est le genre de jeu qu'elle a joué au Game Boy quand elle était jeune. Ah. Moi, Zelda, c'est le deuxième jeu que j'ai acheté dans ma vie. C'est le premier Zelda que j'ai joué. Oh! Et c'est un coup de cœur. Donc là, on part du début, puis on va voir jusqu'où on se rend. Normalement, je devrais pouvoir me faire quelques temples. Hein? Yann, il connaît tout par cœur. Okay. Pas tout par cœur, pas autant qu'Ocarina, là, mais quand même. Je me souviens. On va aller aider en général des temples. On va aller aider la petite madame là, avec la peau bleue là, qui a l'air très saine. Qui a l'air très saine. Je vous avoue que je me rappelle absolument pas du jeu, fait que je suis en train de le redécouvrir en ce moment. Puis je me pose en titi la question de quoi tu parles. Mais c'était madame là, qui a la peau bleue. Ben, là, je... Mon Game Boy apparaissait pas si pire que ça. Son artwork, parce que quand tu rencontres des nouveaux personnages, des fois tu les vois comme en... Non, je pense que tu vois juste Nehru quand elle chante. Ah, ok, ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais petite, là, moi, je me suis ouvrir le jeu, je m'installais là, puis j'écoutais la chanson. Ah, elle est bonne, hein? C'est vrai qu'elle est bonne, la chanson. Mais moi, je préférais Aegis à Season. Et juste, il est plus axé, surtout dans les donjons, c'est plus puzzle, un peu moins action. Tu sais, t'as de l'action, c'est un Zelda, là. Regarde comme tu sais, qu'elle a pas la peau bleue, hein. Je vois pas où le problème. Elle que la peau bleue, c'est l'autre, la madame en bas, là, okay. Qui a ouvert le passage. Je trouve que l'histoire était plus présente Tony. Aussi. Ça fait vraiment long de voir Tony. Dans celle-là. Link, c'est un Italien. Tony. Pleased to meet you. I'm Nehru. I've been very worried after hearing that Sabrina would face many evil troubles. En passant, salut toutes les Tony. Vous nous enverrez un Q si vous vous appelez Tony. Curieux de le savoir. Il va falloir choisir un nom aussi, parce que dans le jeu, il y a un petit enfant, on peut le nommer. Ah oui, le bébé, là! Le bébé. Puis tu peux le faire grandir au fur et à mesure, je pense, ou... Je vous l'avais dit qu'il avait de l'air très sain d'esprit, hein. Ben, comme d'habitude, là. T'avais-tu un donjon préféré, Mike, dans Aegis? C'est pas de sa faune, il y avait un truc méchant en elle. Ouais. Bonne question. Je pense que j'en ai pas de préféré, mais je les ai pas mal tout aimé. Moi, j'aimais l'histoire, j'aimais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'aimais faire aussi. Le tour comme. L'histoire, si tu compares Aegis puis Season, l'histoire de Aegis est meilleure que Season aussi. Mais moi, j'ai préféré Aegis à Season. Ouais. Moi aussi. Bon, il y a peut-être du fait aussi que c'était mon jeu et que j'ai joué comme trop de fois. Ben, j'aimais mieux la mécanique. Ouais, de sa j'aimais mieux la mécanique aussi du fait que tu pouvais changer du temps, du présent au passé.
que de changer saison pour frayer ton chemin dans l'Overworld. C'est différent. Ouais, ben, il y a Cyanine qui mentionne que, on parlait de jeu tantôt, qu'il y avait peut-être pas cette même mécanique-là, mais dans Mass Effect, il y a aussi, dans le fond, que tes décisions d'un autre jeu d'avant, dans le fond, se répercutent dans la suite. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai jamais joué à Mass Effect, mais vous c'est non. Mais c'est vrai. Est-ce qu'il est fun, c'est quand tu lis les deux jeux, après t'as des codes que tu peux mettre dans un jeu puis l'autre jeu, ça te donne des choses. Ça te donne des objets de plus que... Ça te donne certains objets que t'avais dans un jeu puis que t'avais pas dans l'autre puis que tu peux comme interchanger. Ou ça te donne des upgrades. Comme tu peux avoir des upgrades, exemple, de ton bouclier plus rapidement ou de ton épée plus rapidement aussi. Golden Sun a fait une mécanique semblable que tu peux importer tes bonhommes aussi dans la deuxième. Ouais, avec un mot de passe avec de 6 pages. Ah oui, ça, je suis d'accord, c'était vraiment pénible. Complètement pénible. Mais on l'a tout fait, ok? Oui, ouais, on l'a tout fait. Ouais. Moi, le premier. Même, à un moment, j'ai rejoué. J'ai rejoué sur ma. Tu peux l'acheter à cette heure sur la Wii U, là, sur Virtual Console, Golden Sun. Ah, ouais. T'as les deux. Puis je m'étais fait une game de Golden Sun, j'ai comme je goûte aux deux. Fait que là, j'avais demandé à Jess de prendre des photos des pages de mots de passe. Fait que là, je disais, bon, c'est quoi les mots de passe? Ça a pris genre 20 minutes à rentrer, là. Non, non, mais je le crois. C'était long. T'espères pas te tromper, sinon faut que tu commences. Ah non, puis là, faut que tu trouves c'est une erreur. Ah, est longue un petit peu l'intro du jeu, par exemple. Du blabla. Ben, ils settent le monde, c'est ce qui t'explique. Après ça, t'en as moins. C'est ce qui te montre pourquoi tu veux sauver le monde. Ouais, là. C'est ça. Les singes ont disparu. Les singes. Ah, c'est ta seule raison de pas sauver le monde. C'est ça. Faut toujours sauver un singe quelque part, hein, dans Zelda, me semble. Je sais pas. Il y a toujours un singe quelque part dans Zelda. Il y en avait un peu trop, je trouvais, dans Twilight Princess, mais c'est pour ma vie. Tu veux des singes dans Twilight? Oui. Tu vas y voir ce soir. Non, fais pas partie des trucs qu'on va checker. C'est vrai. Me rappelle vraiment. Non, c'est vrai, les trois donjons que t'as mis, c'est plus loin. Tu voulais pas faire les singes. Non, je voulais pas faire les singes. Elle est plus sympathique maintenant qu'elle est plus bleue. Ouais. Regarde, elle va même me donner mon premier item. Qui est? Ah, elle parle beaucoup là. Une épée de bois! Ouh. Tu vas aller pour faire un ennemi avec ça, c'est parfait. Yes! Ça. Hey, puis t'as gardé longtemps ton épée de bois? Vraiment longtemps. Ben, faut que tu fasses tous les échanges pour. Ouais, pour avoir l'épée. Épée plus 1, là? Ouais, mais c'est la White Sword, je pense. C'est ça dans celle-là, c'est une White Sword? Je sais plus. Bon, on va aller voir le Makuchui. Bon, on va aller chercher notre boîte à... Fait que je dis bonjour à Modestement. C'est drôle parce que quand je jouais sur émulateur, puis j'avais pogné une version française, fait que c'était le Vénérable Arbre... Comment ça s'appelle en français? C'est pas Mojo, parce que Mojo c'est comme dans Ocarina, là, mais... Il y a... Mojo aussi, non? C'est... Ouais, je pense que c'est Mojo dans celle-là. Il y a Modestement qui dit qu'il connaît pas les jeux de Zelda. Est-ce que vous voulez faire un résumé un petit peu de Oracle of Age ou Oracle of Age? Qui est une des. Dans le fond, qui est une des instances de Zelda. Là. Il y en a plusieurs jeux de Zelda. En fait, t'es à Labyrinna. Puis, copie histoire. Je vais juste mettre. Comment je fais pour changer de. Ah, avec une manette de GameCube, ça va pas être évident. Ah, j'ai trouvé. Ah, c'est bon. La fois, il a dit qu'il connaissait pas la non, série de Zelda. Non, c'est ça, il connaissait pas ce Zelda-là. Ah, ce Zelda-là, ok. Ouais. Ce Zelda-là, ben, il est sorti en 2001 sur Game Boy. Puis dans le fond, c'est ça, il y a eu deux versions, il y a le Aegis puis Season, donc les deux s'interchangent un petit peu, là, mais c'est pas la même histoire pour les deux, puis c'est 8 donjons différents dans chaque jeu. Dans le fond, faut que tu ramasses dans Aegis, en gros, on a skippé un peu le texte, là.
Il faut vraiment. Ça, c'est le commentaire de Ambrésia qui demande comment tu fais pour réussir à lire à cette vitesse-là, mais bon. ben, moi, je le lis, puis je le connais aussi. Mais je peux vous le traduire si vous préférez. Comme le larme, il dit je suis heureux de te rencontrer, jeune héros. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est parti à rire. Je suis le Makuchui, gardien de Labrina. Véran, Sorceress of Shadows. Oui, parce que je l'ai pas. Finalement, on a arrêté la traduction! Des ombres. La sorcière des ombres. a kidnappé Nehru, l'oracle des âges. Elle va changer le flot du temps, du passé. Elle essaye de. Elle est méchante! Elle est en train de mettre le... un peu la tristesse dans ce monde-là. Là. Dans le sorrow, ouais. Désespoir. Désespoir, mais si. Pas facile! Il y a vraiment des yeux cute, ce star-là. Faudrait que Matt vienne nous faire des voix. De tous les arbres que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'était sans doute l'arbre vraiment avec les yeux les plus cute. Fait que l'arbre se sent bizarre puis il va disparaître. On le voit bien qu'il est un petit peu bizarre. quelque chose doit lui arriver dans le passé. Non, complètement d'accord, c'est pas facile de traduire de jouer en même temps. Oh, tu peux mettre le café ailleurs si... Mais là, il y a le mien qui est vide, donc je vais pouvoir m'en débarrasser. Bon, on va voir Ralph qui va essayer de sauver aussi Nehru. Là, ce qu'ils disent, là, c'est que si on va dans le portail, on va aller dans le passé, puis on va aller sauver Nehru. En résumé. On a changé de temps. Ouais, là, on voit une des mécaniques du jeu. On est combien d'années dans le passé? 100 ans. 100 ans, je pense. Ouais, 100 ans. Puis ce bonhomme-là, ben, il est surpris de voir du monde apparaître, puis ça lui a fait bien peur. Je le comprends un peu. Moi aussi, je filerais pas bien voir du monde apparaître à côté de moi. Fait que là, première étape, faut aller voir le Makuchu. Mais, oh non! Je peux pas me rendre. Dépêche-toi, Tony. En premier, il faut aller chercher l'appel. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il faut prendre l'appel pour pouvoir te faire un chemin d'une grotte, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a de la terre en avant. Ok, de, ouais. C'est pas si pire avec le joystick? Non, ça se fait bien. Ouais. Et là, il explique que la reine Ambi voulait faire une tour pour guider son amour de façon circuitaire de la mer. Mais lorsque Nehru est arrivé, le soleil il s'est tenu bien haut dans le ciel, comme si le temps avait arrêté. Puis là, ben la reine Ambi, ben, elle fait travailler bien ben fort pour monter la tour noire. La tower. Fait que c'est ce qu'il dit, le petit bonhomme. Puis là, il me dit que c'est... Il y a des bouts fermés dans la tour, mais c'est pas grave, je peux y aller quand même. Okay. Il est-tu content de ça ou il est pas content de ça d'avoir travaillé fort? Il est pas content. Ok. Ben... J'étais pas sûr, c'était... Mais je pense qu'il y a pas le choix. Ah, c'est ça, faut-il l'appel pour aller là, right? Pour aller voir l'arbre. Ouais, c'est ça. Là, je fais le tour, là. Ça sert à rien de parler aux gens, mais ils disent pas grave. Ils disent que c'est awful de travailler là. Ils donnent pas de side quest. Puis là, je parle à lui. Puis là, il dit ah ouais, travaille! Tiens, prends une shovel, une pelle. Oh mon dieu, ils sont donc bien fins, ils te donnent. Prends une pelle, puis travaille. C'est ce qu'il dit. J'essaie de lui donner un coup d'épée, mais. Tu pousses, c'est bien parfait de même. Toi, tu prends la pelle, puis tu te pousses. Ah, c'est ça. On est bright. On va aller prendre le premier corps de cœur. T'es-tu capable d'en trouver quand même pas mal? J'étais capable de quasiment toutes les avoir. Ouais. Ouais. Des fois, il y en a de cachés dans des cibles. Ce qu'il faut mentionner aussi, mais... que contrairement à bien d'autres Zelda, souvent, la plupart des Zelda ont fini à 20 heures, mais dans les versions Game Boy de Aegis Season,
le maximum qu'on peut avoir, si je me souviens bien, je pense que c'est 16 cœurs. Ok, c'est peu. Puis quand tu joues à ta première fois, c'est 14, mais quand tu joues en ta deuxième fois, comme si exemple tu aurais joué à Season, puis là tu jouerais ta deuxième fois à Aegis, tu pourrais en avoir jusqu'à 16. Ah ouais, je savais pas ouais, ça. Ouais, tu peux augmenter ton nombre de cœurs. Comme ça, t'as plus de cœurs pour aller battre ouais. Ganon à la... Ouais. Ouais, parce qu'il est pas facile, Ganon, quand tu le fais. Je me rappelle qu'il était pas facile non plus, en effet. Fait longtemps, j'ai... Parce que c'est comme un boss en... dans en deux parties, parce qu'il faut que tu battes Twin Aurora au début, puis après ça, faut que tu te battes contre Ganon, fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu... Il me semble que Twin Rova était intéressant comme. Comme ouais, il était pas boss, facile. Mais je m'en rappelle tellement pas, là. Oups. Je sais pas pourquoi il a voulu aller en diagonale. C'est la faute de la manette. C'est pas des contrôles super standards, hein, là. Ouh! Tout droit. Ouais, mais c'est un joystick, c'est pas un D-pad, hein? Ouais, c'est... le D-pad, ça serait moins, plus compliqué d'aller en diagonale, il faudrait que tu pèses sur les deux. J'ai essayé le D-pad, mais en fait, je pense que ça va mieux... Je pense que ça va mieux avec le joystick, pour vrai. Peut-être. Ouais, parce que le D-pad du GameCube, il est trop petit. Ça doit être... Il a l'air vraiment miniature, en tout cas, ouais, sur la manette. Ça doit être pour ça que t'accroches tout. Les bons vieux bruits de Zelda. Rien, c'est de l'autre bois. Tu peux pogner plein d'anneaux aussi dans le jeu. Oui, des bagues là. Ouais, les genres de bagues là. Tu peux en pogner plein, puis si tu vas les faire. Comme. Crazy. Ouais, j'essaie de trouver identifié. Le terme. Ou identifié par le, ouais, par le bijoutier, ben, les bagues, ils peuvent te donner, exemple, t'as plus d'attaque, mais t'as moins de défense, ou. Tu transformes en monstre, t'as l'air. Ouais, c'est ça, c'est, t'as comme plein de choses comme ça. Je me rappelle un peu de ça. Hein, on a sauvé l'arbre! Ouais. Ding, ding, ding! Merci, qu'es-tu, Tony? Quel nom merveilleux! C'est le magnifique! C'est marqué nice, c'est pas marqué hein? Merveilleux, mais je suis complètement d'accord! Ils ont dit que l'oracle des âges a convaincu la reine Ambi de construire la Black Tower. Mais peut-être qu'elle les a fait attaquer. Elle l'a fait attaquer. Merci de m'avoir sauvé, je ne vais jamais l'oublier. Et je promets de te repayer quand je vais grandir. Si on retourne dans le présent, ouais. Faudrait, ça serait peut-être bon d'aller le voir. Ouais, elle a dit, quand je vais grandir, je vais être ta femme. Hein? elle veut que tu la maries. Ah. C'est pas la première non. fois qu'il y a des créatures ou des... D'habitude, sont plus anthropomorphes, par contre. Check. Mais j'oublie plein de choses. Essayez! Oh toi! Tony! Oh Tony! Pourquoi est-ce que tu es ici? Je t'ai attendu depuis si longtemps, tu te rappelles pas? 100 ans plus tôt? Ah c'est ça, il t'a dit. Tu m'as promis. Quand je vais grandir, je vais te marier. C'est ce que t'as dit, Tony. Ah, je suis persuadée que ça s'est passé! C'est assez dur de marier un arbre, hein? Finalement, c'est 4 ans. 400 ans que ça s'est 400? Passé. 400? Ouais. 400 years ah, I waited. Ah, j'étais sûr que c'était ça. C'est 400 ans. Hey, c'est long, longtemps, hein? C'est... Bon, blablabla, blablabla. C'est pas pour ça que je suis là et triste. Bon, peut-être que Véran est en train d'utiliser la reine Ambi. Ouais, ça, on l'avait compris. Le monde va être couvert de ténèbres. Blablabla. Savoir le passé, savoir le présent. Donc, notre but est de sauver l'univers. Ouais. Ouais. En arrêtant Véran. On va dire oui à ce quête-là. Oh shit!
Elle t'a demandé est-ce que tu veux que je te répète ce qui s'est passé, pis toi tu as dit oui. Je suis persuadée que c'est ça. C'est exactement ce qu'elle t'a demandé. Tony est un petit peu sourd. Il a des petits problèmes d'attention. Là, elle me dit qu'il faut que j'aille dans chaque tombe pour aller chercher les essences qui vont lui permettre de retrouver la mémoire. Ouais, là, faut aller chercher les essences du temps. C'est ce qu'elle dit. D'où les 8 donjons. Le premier est dans le graveyard, dans le cimetière. Oh, elle t'a donné quoi? Oh, des seeds. Un seed de feu. C'est pas... Ah, on va bientôt voir le premier animal du jeu. On voit pas... On le voit dans le cimetière, non? Pas tout de suite, je pense. Ah, c'est pas tout de suite. Ah, c'est après... plus tard, oui, c'est vrai, excuse. C'est après le je deuxième... Je mélange les... Après le deuxième temple que tu l'as. Ah, oh, ouais. Wow. Non, après le premier, maintenant ouais. Tu vas dans le passé, tu reviens. On devrait pouvoir le voir. Un gros nounours. Elle l'aime. Il vole. Je me rappelle de ça. Ben, moi, j'aimais mieux le kangourou. Moi aussi, j'aimais beaucoup le kangourou. Mais il était plus cool dans Season, parce que dans Season, il y avait un combat de boxe. Ouais, oh. Ça fitait, ouais. Ça, c'était vraiment cool, là. Les enfants ont peur. Pourquoi? Parce que tu te prenais qu'un épée de bois? Non, parce qu'ils pensent qu'il y a des fantômes, là. Là, ils viennent se pousser. On va essayer ici. Je pense qu'il disait aussi qu'il y avait quelque chose derrière une tombe ici, là. Et on prenait la peine des... Ça, c'est toujours le deuxième, ça. Ah, mais ça, c'est pas un carré pour... Ah non, c'est une grotte. Ouais. Une grotte pour avoir la clé qui ouvre la gate. Ah, c'est ça. C'est joli, la tête de mort dans le milieu. Fait concept. Link, il va toujours piller des tombes. Ouais, c'est pas grand jeu qui fait pas ça. Mm. Non, on a notre tech qui fredonne la chanson, c'est pour ceux qui l'entendent pas. Et catchy cette chanson. Ouais, exactement ouais. Ce qu'on pense. Et voilà, premier temps. Ça va quand même rapidement. C'est très rapide durant le premier temps, vraiment. Spirit's Grave. Là, de mémoire, pas à droite. Et ça. Je dis les tuer. Ce qui était le fun aussi des versions de Zelda quand tu jouais au Game Boy, c'est que quand tu allais dans des sous-sols, ben tu devenais comme en 2D un peu à la Mario Bros. Ah oui, ok. On vole dans... C'était quelque chose d'unique pour ces Zelda-là, en fait, là. Je pense qu'on va le voir. Dans celle-là, peut-être. Plus dans le deuxième, parce que dans le deuxième, tu pognes un item qui te permet de sauter. Non, dans le deuxième, c'est les bombes. C'est bon. Non, mais t'as les... Non, c'est la plume. La plume, ouais, c'est ça. Mais il faut les bombes avant. Ouais, c'est ça. Tu pognes les bombes sont pas d'un donjon, ils sont... Ah oui, ça, c'était le fun, c'est... Comme les carrefours, là, que... Ici, il y a une gâchette, non, il y a un compas caché là. Tu peux brûler ça, puis ça donne un petit coin secret. Ouh. Et dedans, il y a une bague. Je me souviens plus si c'est random les bagues ou c'est seté. Je pense que c'est random. Ouais. Parce que j'ai joué plusieurs fois puis j'ai jamais les mêmes bagues à la fin. Ah, ok. Tu fais quoi les bagues? Ça donne... Quand t'es équipe, ça donne des pouvoirs spéciaux. Genre, il y en a une qui fait que quand tu tiens les bombes, elle n'explose pas. Mm. Les bibites donnent plus de cœur. Prends plus de dégâts, ben ouais. Tu fais plus de dégâts. Ouais, c'est ça. Il y en a qui servent à rien. Effectivement.
Moi j'aimais bien celle qui fait que les aura, leur feu là, qui crache, ils ne font pas de dégâts. Là. Ah. Je la trouvais bien pratique parce que je trouvais ça chiant. Il n'y a jamais eu de remake qui a été fait? Non. C'est juste Game Boy, hein, c'est ça qui arrive. Il aurait pu les refaire. Genre avec des graphiques style les Link to the Past ou... Malgré que c'est pas mal le même style. Là, ouais, mais... ça se ressemble un petit peu. Mais en même temps, j'imagine que se concentrer sur un vieux jeu, peut-être qu'ils veulent plus se concentrer sur un vieux jeu. Mais ils sont fun. Ça me donne le goût de jouer. On va finir le marathon du jeu-là. Ouais, il est fun ce jeu-là. On pourrait le finir avant le marathon, c'est sûr. Bon. Ici, il y a une gacha seed. Ça sert à quoi, Mike, les gacha seeds? Les gacha seeds, c'est des graines que tu peux planter dans des endroits spécifiques. Puis après un certain temps, qui est en fonction du nombre de monstres que tu tues entre-temps, on a un don. Merci à Dominique Doucet pour son don de 25$. Merci. Pas de commentaires. C'est le dit. Ah oui, ta tente, là, il bloue. Ils deviennent des arbres, ça te donne des objets, des choses. Des fois, je pense que ça peut te donner des bagues, ça peut te donner. J'ai trouvé le bon spot. Il y a un frappe. Il s'avance absolument pas sur toi. Hey, tu l'as magané le monstre? Ta barouette! Y'a pas eu de chance! Ben, merci beaucoup, Diddy Gaming! Ils nous souhaitent. Ils nous disent de pas lâcher. On continue! Merci à toi! Merci! On va aller là. Ouais, les gars, j'en sais, y'a un fragment de cœur que tu peux ramasser avec ça. Ouais, mais sois patient! Il y a Modestie qui est pitié, qui est pitié, pitié du boss. Mais ah, il a mangé à la claque. C'est la première fois que ça m'arrive comme aussi efficacement. Il a vraiment pu rien faire. Il a tourné en rond avant toi. Il était contre Tony. Fait que c'est ce qu'on disait pour la version style Mario. Ah oui, ouais, c'est ça, la vla. On a le Power Bracelet. Ça fait que je peux soulever des trucs. Ouais. Puis je pense que tu vas pouvoir, en sortant du donjon, il y a des tombes que là tu vas pouvoir pousser que tu peux pas tenter. Ben je vais pouvoir ouvrir une tombe qui donne sur un fantôme qui va me donner la... La watch là, la montre. La montre du facteur. C'est ça. Qui va pouvoir, comme ça je vais pouvoir commencer à faire les échanges. Ouais, ça c'était une chose aussi qui avait beaucoup... Les versions Game Boy, t'avais des grosses suites d'échanges que tu pouvais faire, là. Ils ont mis ça dans Zelda après aussi, là, mais ça vient pas mal des jeux de Game Boy, les échanges que tu pouvais faire. Okay. Dans A Link... A Link Awakening. Link Awakening. Qui était comme une version de Game Boy avant, c'est là que t'avais la première série d'échanges, puis on continue ça dans celui-là. Ouh! Moi aussi, je pense qu'il faut manger un peu. C'est pas mauvais dire. Oh yeah! C'est une attaque! Ça fait. Ouais, tu fais plus de dommages. Mais des fois dans cette version-là, t'es aussi bien juste facile que de faire des spin attacks parce que c'est plus long charger ta sword que... Oups, j'ai raté. C'est drôle que je meurs genre là. Non, c'était tout calculé, Mike, voyons. Yes! Ouais, je suis d'accord avec Modestie qui dit que le boss avait vraiment l'air de... qu'il n'avait rien à faire de toi dans ce salon. Il se préoccupait pas de toi pendant tout, tu continues ses affaires comme si de rien n'était. Un autre don de Hilary. Merci Hilary! Merci Hilary! Oh, merci beaucoup Hilary! Merci à toi! Donc là, l'arbre va nous dire...
Il nous donne toujours un petit hint où ce qu'il faut aller, en fait. Il dit que dans la forêt à l'ouest, il devrait avoir quelque chose. Ah oui, le petit jeu de cache-cache. Oh! C'est la sorcière, ça, c'est Maku, non. Maple. Maple. J'aimerais ça dans notre amie la petite sorcière. Puis elle cherche un livre. C'est important de se rappeler de ça. Ouais. À un moment donné. Elle aussi, je pense, c'est ça. C'est selon le nombre de monstres que tu fais que ta rencontre, c'est vraiment random. Je sais pas concrètement. Non. Hein? J'ai jamais remarqué. Ce que je sais, c'est que je la rencontrais de temps en temps. Ouais, moi aussi. On va aller libérer le fantôme ici. Je serais curieuse de savoir, vous estimez combien de temps ça prend faire le tour justement de Oracle of Age? Il est lent pour vrai, ça prend genre 30 heures ou un truc de genre. Oh non, 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 je pense pas que ça prend 30 heures. Mais il était beaucoup plus long que ce que je m'y attendais, moi. 10-15 heures max. C'est un jeu de Game Boy, là. Parce que, gars, en 2 heures, là, d'après moi, tu vas avoir le temps de faire au moins 3 donjons, certain. Quasiment la moitié du jeu. Pas la moitié du jeu, là, mais. Exemple, tu te rends au quatrième donjon, là, exemple, là, t'aurais la moitié du jeu. Là. Malgré qu'entre le quatrième et le cinquième donjon, c'est long. Ben, toute la partie dans l'eau est longue, t'es quand il faut que tu. Ah, puis Jabu, il est long. Tu nettoies la mer, pis tout. Ouais, j'avoue. Je trouve, il me semble que ça prenait au moins un bon 20 heures, là, faire le tour, là. Au complet. Là. Ouais, ouais, c'est sûr que tu te ramasses tout, là, ouais. J'étais curieuse là, parce que je me rappelais pas. J'ai-tu pris le cœur? J'ai-tu pris le demi-cœur? Je pense pas, non. Un flamant de cœur? Il y a un flamant de cœur dans le Graveyard? J'ai-tu pris ou j'ai fait. Je pense que tu l'as pas pris. Tu penses celui qui était en dessous d'un arbre? Je l'ai pris. Je fais les choses sans m'en rendre compte. Ouais, ah. Celui qui était caché par une pierre. Ok, oui, ça, tu viens de le prendre. Tu viens juste. Ah, ok. j'ai pas remarqué en parlant des fois. Ici, je vois un petit peu moins bien, je vois un peu ce qu'elle fait, là, mais. Parce qu'on s'entend que c'est gros. Ouais, non, ça. L'image est un petit peu plus grande que sur un Game Boy. Ouais. Je vois un peu les maisons, je vois le switch d'écran, mais je vois pas où ce qu'ils sont bonhommes. Ok. En même temps, il est vert souvent. On pourrait aller voir le petit enfant puis donner un nom. Avez-vous une idée? Oh, merci à Julie! Oh, oui, merci beaucoup, nom. Julie. Merci, Julie. Julie, t'as le droit de nommer le petit enfant ici. C'est un garçon. Julie dit bravo pour votre belle initiative, Cam. Merci. Ah, j'ai une idée pour son nom. Fait qu'au tard, il y a déjà un nom. Maya a une idée. Ben, ça dépend, en as-tu donné un nom? Je suis pas sûr. Chat, on veut un nom. Sinon, je vais l'appeler OQPS. Je sais pas qu'il y a un délai entre. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Sinon, je vais l'appeler demain pour le concert du jour. Ou on pourrait l'appeler Link. Ah, oui, 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 ça va être drôle. Ok, let's go pour Link. On a rien dans le chat. Let's go pour Link. Non, puis je pense qu'on a rattrapé le délai. Oh, il y a quelqu'un qui a proposé Tona. Tony Tona, désolé. Ah, ben on peut. Tu peux. Disons qu'on a essayé de mélanger tout le monde. Ah, tu pourrais la renommer encore? Ouais. Tona. Billy. Ouais, puis on a une deuxième suggestion avec Billy. Tona ou Billy? J'en ai écrit Tona. Tona, ça va être drôle. Ouais, oh, ben c'est la première personne qui a proposé Tona. Donc Tona. C'est le féminin de Tony. Okay. C'est un petit garçon. Oups. Pas grave. Ok, c'est. C'est Dragon Remy, dans le fond, qui a nommé le bébé de notre jeu. Bon, lui, alors, c'est pas lui. Ah, tu cherches le facteur? Dans le présent ou dans le passé? Selon Modestie, Tona lui faisait penser beaucoup à Tom. Mais ça semble dans le pas mal comme Tona. Mais j'ai toujours la misère à le trouver, moi aussi. Non, il est dans le passé. Il est dans le passé? On peut aller voir cette maison-là. Mais ça, c'est le petit enfant qui est en pierre, ou en tout cas, il bouge plus. Non, je pense ça que va dans bien passé. Dans ce village-là. Ah. Il est pas dans le bas du village, non? Non, il est dans le haut. Oh, merci! Oh, non, merci Vanessa! Beaucoup. Merci pour ton don! Merci beaucoup! Adigo, ma! Merci!
va jouer un petit jeu ici? Ouais. T'avais-tu une tactique particulière ce jeu-là? Non. Je cherchais à chaque fois, mais il y a un truc, me semble. Ma tactique, là. C'est selon les écrans. Ça ressemble ça, ça ressemble ça à tes tactiques de Mario Party ou... Non, pas exactement. C'est ce qu'il y a, t'as trois filles. Ok. Trois filles qui jouent à cache-cache. Ils se cachent, puis il faut que tu les trouves. C'est le principe du cache-cache. Le problème, c'est que la forêt devient toute en désordre. Ok. Comme tu peux voir. Mais ils te montrent ou qu'ils se cachent, ouais. Mais il faut que tu réussisses à y aller. Genre, si tu vas à gauche, tu vois. Bah ben, après, tu peux revenir à droite, tu ne reviendras pas à droite dans le fond. Tu vas à gauche, mais. Ah, ben là, il y en a une aussi. Bon, ouais. Là, si tu retournes à droite, ben c'est plus le même mot. Non, c'est ça, mais ça, c'est correct. Mais moi, ma tactique, je fais droite-gauche jusqu'à temps que. Là, elle n'a pas l'air de vouloir, fait que moi, j'irais en bas, en haut peut-être. Droite-gauche. Non, parce qu'à gauche, t'as ramené tout au début, fait qu'en bas, en haut. Ah, ben, ici, il y en a un, là. Yes. Il y a tellement une logique dans cette forêt-là. Ah, puis l'autre est juste là, un petit coin. Non, je pense pas. Oui, oui. Non, j'étais sûre qu'il y a de l'eau. Non, il y a de l'eau, puis il y a du... Là, ok, c'est la roche. Ouais, c'était dans la roche. Raison. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'est l'autre place. Si ça ressemblait à l'autre. Ouais, hein? Celui avec le coffre, là. Quand on a trouvé les filles sont contentes. Ils ont mis la forêt dans l'ordre. Tony là, Junior. Ouais, on a aussi Tony Junior comme choix, qui répète un nom. Ouais. Ici, il est écrit... Cave ancienne. Attention! Tombe... C'est notre deuxième donjon, ça. Ouais, ça, elle pourrait s'écrouler. Étrangement, elle pourrait s'écrouler. C'est ce qui arrive, c'est malheureusement. Cool. Étrangement, elle s'écroule. Non! Ça peut pas être facile de même aller au deuxième donjon, là. Là, on est dans le présent, c'est bien ouais, ça. Ouais. Donc, il va falloir aller dans un temps où est-ce que la cave est encore normale. Dit, solide. Ouais. Là, ils disent peut-être qu'il y a quelque chose chez la maison en Aero. Peut-être. On va-tu voir? Ben oui. Il y a peut-être quelque chose, tu sais, une harpe ou. Moi, je dis que le jeu, il donne trop d'indices. Hey, Cindy, y'a pas une map exacte qui dit exactement avec un petit point où aller, là, comme à Star. Ouais. Puis une boussole, puis t'as toute la map au complet. Je cherche avec les indices, là. Ouais, c'est d'accord. Ça. Le seul défaut, dans le fond, de la technique de faut que tu cherches les indices, c'est quand ça fait longtemps que t'as pas joué au jeu, puis qu'on t'avait donné un indice. Ça, je m'en souviens plus. Puis que tu t'en souviens plus, ça peut être long de retrouver ton chemin. Ça, c'est The Power Ring. Plus de dégâts avec les swords, mais. On se prend plus de dégâts en échange. Puis celle-là, c'est... Ah, Discovering. Ça nous fait un petit son quand il y a un spot de terre qu'on pouvait... Ah. On va mettre celle-là parce qu'elle est plus utile que les autres que j'ai actuellement. Liste... C'est pas celle-là. Ça va être celle-là ici. C'est bon. Après, ouais, important, faut l'équiper. Moi, ça... Quand j'étais petite, ça a pris beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait que je l'équipe en plus. Je pense que ça se pourrait que je l'avais pas jamais équipé. Ah. Et tu te dis, ben... Ça sert à rien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux avoir un truc avec trois bagues. Trois bagues, ouais, tu peux en avoir trois. Tu peux choisir laquelle que tu portes. Ouais, c'est ça. Et c'est comme pas intuitif. Bon, voilà la maison de Nehru. Est-ce qu'il pourrait avoir une pièce invisible, pièce cachée? On dirait que oui. Ta-da! J'aime qu'elle a installé ça dans le fond de, sa, de son sous-sol. Là, non, mais c'est caché. Écoutez la chanson. Est-ce que... Écoutez comme c'est beau. Tu es le héros choisi par les Current of Time, par le flow du temps. Si tu es là, ça veut dire que je ne suis plus dans cet âge. J'ai caché cette harpe, sachant qu'il pourrait m'arriver quelque chose. Je te confie cette harpe. Maintenant, voici la chanson. Ouh. Si tu plais cette chanson, tu vas unlocker les pouvoirs des portails.
et pour pouvoir te rendre dans un autre temps. J'aimais ça que t'as traduit en partie. Ouais! T'as très bien résumé. Ouais. Elle compte sur moi, là, c'est ce qu'elle veut dire. C'est encore très bien résumé. Let's go! On a un monde go, à sauver. Go, go, go. Pis aime pas dans ce coin-là, ça ne dérangeait pas que tu partes avec les trucs à pas. Tout le monde trouve ça normal que tu rentres dans la maison et que tu partes avec des trucs qui leur appartenaient avant. C'est ça qui fait Tony dans la vie. Bon, fait que là, l'arbre me dit, ben peut-être que si tu vas dans le passé, tu pourrais aller dans le temple que t'as fait écrouler tantôt. Comme, ben oui, c'est une bonne idée. C'est pas une grosse, c'est vraiment une grosse indice, ça, là. Quel jeu vous avez aimé en 2001? 2001, moi j'ai hésité beaucoup entre Golden Sun. Il y avait Golden Sun, il me semble, oui, en 2001. Golden Sun, c'est bon. Il y avait aussi Final Fantasy X, il me semble. J'ai hésité entre ces trois jeux-là, en fait. Moi, faudrait que je valide, mais je pense que Skies of Arcadia qui est sorti en 2001 aussi. C'est quoi ce jeu-là? C'est un RPG qui est sorti initialement sur Dreamcast, puis après ça il est ressorti sa GameCube. Moi j'ai joué sa GameCube, mais je suis plus sûr si c'est vraiment 2001, mais il me semble que c'est 2001. On va parler à lui, il va venir ici. Mais il sert à quoi notre bébé? On a Cyanide qui était en voiture, il a pas pu donner son input pour le nom du bébé. mais lui, il l'aurait appelé Hawk pour que ça fasse Tony Hawk. Nice! Ouais. Mais c'est un maximum de 5 caractères. Oui, comment mais Hawk, tu l'appelles juste Hawk. Mais ah, vu mais que oui. Toi, ton personnage s'appelle Tony, ça fitterait. Ça fitterait. Ouais. Ici, il y a un escalier. Il me semble que l'escalier mène à rien. Faut oublier cet escalier-là. Même la madame, tu l'ignores. Ils me disent pas grand chose, mais ils me disent la reine en billet cherche de quoi dans cette forêt-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans le passé, la musique de l'Overworld est plus slow que quand t'es dans le présent. J'avais pas remarqué, non, moi. Regarde, elle est vraiment plus. C'est vrai? Plus slow que tantôt. Je peux aller là. Pour moi, c'était la vitesse normale de la toune, là, mais sans doute que. Parce que j'ai pas remarqué qu'il était plus rapide dans le présent. C'est vrai. Tu peux le savoir au son. Ouais, ben, l'environnement est pas pareil. Ouais, les couleurs non plus sont pas les mêmes. Il y a un paquet de facteurs qui t'aident à savoir. Ouais, c'est ça, que t'es dans le passé ou dans le présent. Non, moi je me rappelle pas des jeux de 2001. Vite de même. Tu sais, quand t'as pas ton. Quand t'as pas la T'as liste. Pas internet, vite de même, mais c'est dur. Ah non, c'est ça, je dis, je connais pas par cœur. Moi c'était vraiment une Golden Sun qui m'avait marqué cette année-là. C'est ça, c'est vrai, c'est cette année-là qu'elle est sortie Golden Sun. Tu sais, le pire, c'est qu'au début, j'étais. C'est un de mes amis, il me dit ah, il y a un jeu que d'après moi, tu vas aimer. T'sais, il connaissait mon genre de jeu. Puis je n'avais même pas entendu parler, puis j'étais comme bah, ok, je vais l'essayer. Et j'ai commencé à jouer à ça, là. J'étais accro, puis. C'est. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis tombé accro tout de suite après avoir commencé. Moi, je pouvais juste jouer sur émulateur parce que c'est un Game Boy, je vois pas, là. Ok. Puis. Mais quand j'ai joué au 1. Dès que le 2 est sorti en japonais, je me suis downloadé le ROM, puis j'ai joué au 2 en japonais, puis j'ai fait genre, je l'ai fait même 2-3 fois, puis j'avais réussi à avoir tout, puis faire toutes les boss. En japonais, c'était débile. J'ai pas beaucoup joué à jeux quand j'étais petite. Golden Sun, j'ai joué genre bien des années plus tard sur émulateur. Ok. Mais il était le fun quand même. C'était simple comme jeu, mais moi c'était le fait que justement t'avais des énigmes un peu comme à la Zelda, ouais. Justement qui rajoutaient quelque chose que t'étais dans un donjon, puis oui t'avais des random battles, mais c'était pas juste ça, puis il y en avait pas tant que ça.
Non, ça gossait pas. T'avais plus des battles que des random battles, là. Mais moi, c'est ce que j'avais aimé. C'est comme un mix entre Zelda et les Final Fantasy. Là. T'avais ton turn-based combat, mais t'avais quand même, dans le fond, tous tes puzzles, toutes tes affaires. Mm. Puis t'avais tes habiletés, justement, que tu cognais au fur et à mesure du jeu pour résoudre tes énigmes. C'est plate que quand ils l'ont refait sur 3DS, ils en ont fait un sur 3DS qui a pas pogné parce que le jeu finissait même sur une suite puis qu'il a jamais eu de suite. Ben, il finissait, mais tu sais, ça finissait que c'était pas fini, là. Il fallait qu'il se passe autre chose, mais vu que ça a pas pogné. Un peu comme la façon que le 1 avait fini. Ou... Moins pire que le 1. Okay. Mais. Tu sais, ça finit que il y a un personnage sur un pont puis qu'il y a un portail qui roule de random puis là et qui se pose des questions puis le jeu finit comme ça. OK. Moi je me rappelle plus là, il y a un 1, il y a un 2, il y a un 3 dans ça. Ouais, le 3 il est sur 3DS. Justement. Ouais, OK. C'est celui qui a moins pogné. Parce que j'ai pas joué. Il est arrivé vraiment plus tard ça. Ouais, il est vraiment arrivé, il est arrivé 6 ans plus non plus que ça. Il est sorti en 2010. Golden Sun 2, il est sorti en 2003, je pense. Ça m'étonnerait pas, il me semble qu'il est pas sorti. Ouais, non, il est sorti en 2009, fait qu'il est sorti 6 ans plus tard. Ok. Quand même. Si les gens n'ont pas suivi, j'ai trouvé dans la forêt les objets que la reine en vie voulait. Puis là, le garde m'a emmené à la reine. Puis là, je vais lui donner les. Les seeds. Les seeds bleus. Puis en échange, elle va me donner quelque chose. Ouh! Ouais. La reine en vie, c'est une alliée ou elle fait partie des méchants d'histoire? Contrôlée par. Ouais, c'est ambivalent en ce moment. Là. Ouais. Ouais, ambivalent. Ouh. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Ambi. Parce que là, il y a beaucoup d'influence de la méchante Vérène. J'ai des bombes! Oh, magie. On va y faire exploser des choses. Ça, c'est un des items dangereux dans Zelda. Hey, oublie pas d'aller voir le facteur. Ouais. Mais... Je suis dans le coin, là. Ouais. Ouais. S'il est vraiment dans le passé, mais il me semble que oui. On va voir Nehru. Done well. Elle pense qu'elle prend avantage sur moi, mais elle sait pas, là. Je fais tout ça pour finalement la battre plus tard. Je pense qu'elle contrôle Nehru aussi. Mais en ce moment, elle contrôle Nehru. Ouais, c'est ça. C'est juste que là, Nehru a une influence Ambi. Elle est bien influençable, cette reine-là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Elle sait pas comment ruler son kingdom. Je sais pas, peut-être que s'il y avait une entité noire qui aurait pris possession de ton corps, toi aussi, tu serais facilement influençable. Je résisterais. Non, mais je veux dire, là, en ce moment, c'est Nehru qui est possédée. Ouais. Ok. En vie, elle l'est pas. Ouais, mais elle est pas considérée comme quasiment une goddesse, là. Ouais, probablement. Elle est faible. Je pense que c'est juste Tiek dans cette maison. Ouais. Lui, il peut pas faire son travail s'il est facteur. Il peut pas faire son travail parce qu'il sait pas c'est quoi l'heure. Fait que je lui donne une horloge. Une horloge. Puis il va être bien content. C'est quoi qu'il donne déjà? Il me donne une lettre. Ah oui, la lettre, faut que t'ailles la porter à la main. Oui. Oui, la main. À voir plus tard. Ça va être dans le présent. Il me semble que c'est dans le présent. Ouais, je pense que oui. Dans le passé, t'as pas. On dirait à passer 400 ans, la lettre! Attends, non, c'est dans le passé, c'est juste c'est dans le passé, ah! Paper, est-ce que vous avez du papier? On toi, sait pas pourquoi qu'il a besoin de ça. Toi, tu donnes le bout de la lettre à la main qui te demande du papier. Ouais. Là, il me donne quelque chose qui pue. Un bac qui pue. Quand t'as un bag qui pue, il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est pas legit. Tu trouves que l'échange est pas fair? C'est mes pauvres. Ouais. Je vais juste péter ça pour que ce soit plus facile pour moi de bouger. Rien d'intéressant. Des fois, elle peut dropper
des bagues, des potions. Merci à Martin pour son don de 3,33. Merci beaucoup. Merci Martin. Merci Martin. Pour fourrer les chiffres. Martin dit prochaine étape, un don de 9,88. Faudrait qu'on se rende à 777. Et... Ah mais bon, oups, pas 6. Et boum! Level 2. Wing Dungeon. T'as-tu acheté un shield, Mike? Tu en avoir besoin. Okay. J'ai acheté un shield. En fait, j'ai attendu parce que tu peux l'acheter dans le magasin au départ. Mais si tu l'achètes, où est-ce que je l'ai acheté tout à l'heure, qui est juste avant les trucs bleus, là. Ok. L'arbre te le vend au prix le plus faible du jeu. C'est-à-dire 10. Ah, c'est dommage, je savais même pas ça. Ça te coûte à 10 rupies au lieu de 30 ou. On apprend tous les jours. Fait que... Moi, c'est un donjon-là... C'est Yannid qui dit... ce qu'il dit? Parce que le nom de Martin, c'est Super Big Kmart. Fait que si Yannid fait le commentaire comme quoi que Kmart avait des gros problèmes d'argent avant de fermer leur boutique, parce que le nom est 33. Elle est bonne. Moi, c'est le boss de ce donjon-là que j'aime pas. Je pense ça aussi, Mike, tu tripes pas. C'est ça, tu lances les bombes, là, faut que ça soit la bonne face. Ah oh, oui! Mais semble que je t'avais vu, t'avais eu de la misère de la... quand tu le faisais... Faut peut-être le bon timing, mais je me suis pratiqué un petit peu. OK. Faut juste avoir le bon timing. Parce qu'on était au show de video game, pis t'essayais de le battre avant le show. Mais c'est que c'est... Faut que t'aies la bonne Faut que t'aies la... Fait que là... Faut que t'aies le bon Faut que t'aies synchro, là. Bon, j'ai ma clé. C'est un peu inquiétant que... Okay. Tu peux se prendre avec des bombes sur eux autres, de même. On peut retourner au début. Mais oui. C'est qu'il n'est pas tant compliqué ce boss-là, c'est juste qu'il est long. Il est pas long si tu t'es synchro puis tu réussis à le pogner la face toutes les 4 fois. 3 ou 4 fois, je me souviens plus. Je sais pas si c'est 3. Je sais pas. On va reprendre le. Souvent quand je faisais ces donjons-là, les premières fois que j'ai fait, j'ai souvent oublié qu'il y avait une place ici pour exploser. Ah, tu peux la chercher longtemps. Il y a une autre place dans le jeu aussi que tu peux exploser. Quand même, t'as fait une pirouette en tombant. Is that cool? Tu peux pas sauter encore, mais tu peux faire des pirouettes en tombant. Ouais, c'est ça. On va s'en aller, là. Des choses qui arrivent. Hey! Tu sais, pas me faire pitcher en bas encore, là. Reste un cœur. Ouais. Tony est dans le trou. Ouais, je sais. Tout ça pour une clé. Ben, on va le prendre, la clé. Ça veut dire que. Là, faut-tu que tu reviennes si t'es pas. Ouais. Ouais. Regardez la map. Comment je suis où, select dans. Tu es un select dans. Ben, c'est peut-être une verbe. C'est un Z là-dessus? Ouais, en arrière ton.
ta main droite. Pas sûr, moi ça fait des trucs bizarres. Oui, je sais, mais ça fait un truc bizarre. Ah, ça fait un truc bizarre. Ouais. Ah. On va se passer de la map. Qui a besoin d'une map de toute façon là? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas dans ton menu de save? Non? Save. Non? Je sais pas. Oh. Un truc qui... C'était tiré pas mal l'écran. C'est quoi, ça fait des trucs bizarres à l'écran? Ben oui, c'est parce que l'image a été complètement étirée pour fûter. Ah. Ça fait pas très beau. C'est... Non, c'était... Non, Mike, c'est quel ton donjon, ton temple préféré dans ce Zelda-là? En fait, j'en ai pas vraiment de donjon préféré, je suis pas de même. Y'en a-tu un que t'aimes moins à ce moment-là? Je pense que... Je sais pas si... Jabu, c'était quoi le boss de la fin, Jabu? Le boss de Jabu, c'était quoi déjà? Je te spoilé, je t'aurais peut-être dit. Bon. Si je meurs, ben c'est pas bien grave. Oh, merci à Phil! Son don de 24 et 44! Oh là là, il manque juste un 20$ pour atteindre notre 7-7-7-7-7! Ouais! Je pense qu'il manque un... Tu dis la bonne quantité de 7? En tout cas, peu importe. Là, ce boss-là, il est drôle parce que... Si t'es sur les tiles bleues... Ouais. T'es correct. Ouais. Mais si t'es sur autre chose, ça te crée des trous en dessous de toi. Ouais. Je vais vous montrer, mais j'ai trop peur de tomber dans un trou. Ce serait mon genre. Fait que merci à Phil si c'était pas... Puis Phil, il disait aussi... il a donné parce qu'il fallait bien qu'il participe lui aussi, mais il dit surtout un gros merci à tous nos donateurs. Oui, merci beaucoup merci à tous nos donateurs. Ouais, celle-là c'est le fun. C'est pas comme s'il carait pas après toi, il carait beaucoup au fait que t'existes. Oui. Ouais. Il veut m'écraser, là. Yeah! C'est quand même drôle que dans celle-là, hein, faut que tu frappes la fille avec ton épée pour qu'elle tire. Ben, je pense que tu peux. Juste passer dessus. Ouais. Non, t'as tendance à être un peu violente avec les filles de bord. Là... C'est juste que t'as plus de reach. Tu peux aller chercher la big key. Ah! Voyons, ils veulent. Ils veulent maman. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue. Le bouclier. Sinon, Mark proposait le XY pour essayer pour voir la map. Ouais! Ah! Merci Martin! On y avait pas pensé à ceux-là. Non, hein, les pitons sur le dessus de la manette, c'est pas ça que ça sort! Non, on voit la plume! Demander s'il y avait de quoi à droite. Tu parles en haut? Ouais, en haut là. Puis j'ai jamais trouvé le moyen de m'y rendre. Ouais, parce que si tu tombes sur le truc qui tombe, ça te fait mal. Alors tu peux sauter, non, tu peux sauter dessus. Tu peux sauter sur comme ça, mais jamais tu peux te rendre là. Faudrait genre que. Tu reviennes avec la cape, peut-être? Avec les sites, mais tu peux-tu revenir dans le... Mais même quand t'es rendu en haut, tu te rends pas? Ah, ben ça doit être ça dans ce cas-là. Tu peux retourner dans le long. Il y a peut-être vraiment rien. Quoique... Je trouvais ça bizarre de revenir d'un donjon. Ouais. Quoi que le... Quand tu regardes ta map, tu te dis qu'il n'y a pas de trésor. Là. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, dans la plume, ça veut dire qu'on peut sauter partout. Ok, pas partout, mais on peut sauter. Fait que, il dit, avant de changer pour le bouclier, tu étais équipé du croissant Pittsbury de niveau 1. Oui. Puis Ambrésia est d'accord au fait que trouvait elle aussi le... C'est bien elle, Ambrésia? Oui. En tout cas, la personne, Ambrésia, oui. Qui était complètement d'accord sur le fait que ça ressemblait à un croissant. Tout à fait. J'ai absolument pas réalisé de quoi qu'il parlait, mais... Le montant actuel donne vraiment le goût de donner 20$.
Oui, hein? Ah, c'est ici. Il y a aussi... tu peux facilement skipper le mur que tu peux exploser. Voilà. Vu que t'es bien dans le petit truc qui se promène. Là. Oh! Il y a quelque chose là. Un coffre! Avec... une clé dedans. Ouais. Quand ça fait ce bruit-là, c'est parce qu'il y a... À moins que t'as l'anneau qui dit qu'il y a quelque chose. Ben, non. J'ai l'anneau qui me dit qu'il y a des sorts là. Ouais, mais il n'y a pas des donjons. Ben là... Il n'y a pas des arbres dans les donjons? D'après moi, tu vas plus juste te rendre au troisième donjon. C'est quoi? Quelle couleur faut-tu mettre dessus? Ah oh oui, ça c'était le fun, ces puzzles-là. Des fois, j'ai de la misère de voir, ouais, c'est rouge qui vient. Ouais, là présentement, bleu, tu peux vraiment pas le pogner vu que t'as juste jaune et. Ouais, là, il va être correct. Ouais. C'est vraiment la misère à bouger comme en ligne droite. Je le sais, tu prends tout le temps en diagonale, c'est très drôle. Ça va mieux sur Game Boy Color pour vrai, le bouger en ligne droite. Ouais, c'est normal. Mais c'est correct. Bleu et jaune. C'est autre chose aussi. C'est quoi qui est supposé ressembler à un croissant? Ici. C'est quoi? Ah, je suis complètement d'accord. C'est quoi? Le bracelet. Le bracelet. Ah, oh, ok. Ok. Le croissant qui te permet de lever des roches. Ouais. Une petite bouchée, puis t'es correct. Ouais, c'est ça. Tu peux lever des méga roches. Ici, puis j'aille en bas. Y'a-tu un système de petits trains dans ce moment-là? Oui! Oh, oui, ouais, on s'est promené un petit train là. Let's go, t'es capable! En ligne droite! Jusqu'à date, il y avait un puzzle pour que Mère fallait qu'elle place le dé de la bonne couleur sur la case. Il y a une autre pour, une cake block, faut qu'il soit. Jusqu'à date, j'ai compris que quand c'est bleu, ça marche. Là, on peut remonter en haut, ouvrir le truc. Prendre le cart. Ils se sont assurés que tu étais obligé d'utiliser ton jump pour faire tout ça. Ouais. Poisson. Ça donne faim, hein? Ouais, on peut pas arrêter de parler du croissant. C'est pas mal, aussi, on est rendu que... pas mal à cette heure-là aussi. Non, oui, jusqu'à quelle heure, bro? Presque 50 minutes. Oh mon dieu. Ça va vite. Ah, d'après moi, on va avoir le temps de se rendre juste au troisième, mais peut-être même pas le finir. Parce que entre le deuxième et le troisième, il y a quand même un pas pire gap. Ouais, parce que faut que tu trouves le. Faut que tu fasses le radeau, faut que tu retrouves tes objets. Objets sur l'île là, avec les tokens. Moi je me souviens du mini-jeu. Tu sais, faut que tu lances de la viande là. Oui, ça tu me disais que. Ah, moi je le trouvais dur là. Tu mopais avec Marie, puis. Ouais. Elle disait droite, gauche, droite, ouais, gauche. Ouais, c'est ça. Moi je checkais mon bord, elle a checké l'autre, fait que quand c'était le temps d'aller l'autre, elle me le disait. Bon, mais il est rouge. Ah, faut placer genre ma femme. Tu vas juste pas bouger ceux qui ont la couleur. Ouais. Et tu comprends vite, mon dieu. Mais oui, c'est ça le principe. La couleur qui est affichée en haut, tu peux juste la bouger. Il y avait des puzzles aussi. Fallait que. T'étais dans une pièce, puis c'était plein de petits carreaux, puis fallait que tous les mettre de la même couleur. C'était le fun comme puzzle. Oui! Mais tu penses, là, puis là, ouais.
Quel chemin que je prends pour pouvoir tout faire les ranger? Il n'y a pas dans celui-là. Non. Je pense qu'il y en a dans le troisième donjon. Ouais. Ou c'est dans le quatrième. Non, il est là. Non, ça c'est pas là. Ça c'est. Tu sautes là. Ben, ouais, c'est tout ça qui change de couleur. Tu peux les tuer quand ils sont de couleur. Ils ne changent pas ça vite, fait que t'as le temps d'en faire. La première fois, j'étais comme, comment ça marche cette affaire-là? Je sais que le donjon qui est avec un volcan, il y en a. Ouais, ouais, je pense que c'est le quatrième. Je pense que c'est ça, c'est dans le quatrième donjon. Ouais, il commence à être proche celle-là. Hein. Surtout qu'on voyait plus où est-ce qu'il était. Hein. Lui, il a pas le temps de te rendre. Il fait exprès, il reste à l'autre bout en plus. C'est la dungeon key. Ouh. On est rendu quasiment boss ou il y a encore un petit bout? Non, c'est tout. Et tout, il... Fait qu'on va aller rencontrer le boss de ce donjon-là. Ouais. Moi, je l'appelle le panier de basket. Puis là, juste... J'ai vite... Parce que je veux pas me faire attraper! As-tu des bombes en masse? Ouais. Ah, je pense qu'un maximum. Que là, ils vont m'en donner. Ah oui, il en donne un... Ça aurait été le fun d'avoir des cœurs, par contre. Ben, Ferry, ça... Ah non, elle est en train de réfléchir. Je pensais qu'elle se poussait, là. C'est pour ça que j'ai frappe avec mon épée, il se pousse pas. Bon, donc ça ressemble à ça. En fait, j'ai pas besoin d'épée dans celle-là. Moi, je prends la plume. Comme ça. C'est bon, vous êtes prêts? Let's go! Selon la face, ils font des choses différentes. Ok. Fait que... Vert, je connais. Il va faire tomber quelque chose. Ils font tomber des... grosses boules de feu. C'est à quel moment faut-il que tu les bombes? Est-ce que je suis plus sûre? Ok. Oh! Là, moi, la bombe... rouge. Ouais. Ouais, la rouge avec la bouche ouverte, là, elle me parle, ouais. Moi. Celle-là, là. J'en ai pas de besoin. Fait un et de un. Ça avait l'air, ouais, pas mal les bleus. Oh, bleu, ma sœur, il est pas le fan. Lui, il fallait qu'il tire en main. Mais si je reste, où est-ce que je suis, je crois. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Je pète genre quand qui est bleu. Ouais. Ouais. Faut juste trouver le bon pattern. Le bon timing. Ouais. Yes. Pas pire, pas pire. Je pense qu'il te reste une fois. Ouais. Je pense que c'est trois. La règle de il trois. Il a l'air de tourner plus vite. Ouais. Ouais, il tourne un petit peu plus vite parce que... Même ça, ça tourne un peu plus vite. Puis là, c'est un... Parce qu'il est fâché. Tout le rond. Ouais, mais non, il avait l'air de bonne humeur, il souriait. Quoi? C'est vrai? Encore bleu. Il sourit méchamment. Bah, tu m'as pas demandé si t'es gentil. Ok, quand il est bleu. Ça rebondit, bizarrement. Fait que. T'as juste deux bombes. Ouais, lui, il crache des gros boules. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est presque pas bon. Il évacue ceux que tu lui as donné. Ah, non. Ouais, c'est pas le monstre le plus fort au monde. Hein? Non. Il est juste lent. Le mauve, tiens, où est-ce que je suis? T'es correct parce que. Ah, il t'en donne, là. C'est bon! Ça donne pas mal, à part de ça. C'est déjà
Let's go, Mike, t'es capable. Yes. Tu l'as eu? Non. Non. Je pense que t'as une petite coche en retard, par en plus, il y a un rebound. Tu penses que tu peux pas la préparer d'avance, dans le fond, la bombe? Oh, oui, je peux la préparer d'avance. Bon, moi, je pose la question. Je combien de temps tu peux l'avoir sur la tête avant qu'elle t'explose en face? Pas longtemps. 3 secondes? Ah, c'est vraiment le dernier coup qui est pénible. Mais ah, ben, je pense qu'on l'a eu là, à cause du rebound! Parce que c'est pénible! C'est moi que c'est 3 pis c'est assez. Yay! Yes! Ouais! Non, c'est 4! C'est 4! Oh. Mon vrai! Ouais. Damn! C'est 4, ça finit plus! On peut voir la belle utilisation du Game Boy Color. Il y a des couleurs. Où il faut vraiment que tu veuilles ouais, je pense qu'il voulait vraiment mettre en... Oh, je pense que tu l'as eu, là. Je pense que je l'ai eu. Yes. Oh, yeah. Oh, yes. Là, c'était pas simple. Ouais. Yay. T'as une chance que c'était pas simple. Il est juste long pour rien. Hein. Ouais. C'est un sapin. Va bien avec l'effet que c'est l'essence du bois. Mmh. Ouais. Ça fait du sens. Il y a la QPS qui nous dit merci pour les dons au moment inusité. On adore. Non seulement vous aidez la prévention du suicide, mais en plus vous mettez de la couleur dans notre journée. Merci. Fait que merci à tous les donateurs. Merci à tous. Bon. Fait que là, la prochaine, comme l'arbre nous dit, il est de l'autre bord de la mer. Là, il faut... Faut pas aller, que tu retournes à la tour. Si Annie et Modestie, dans le fond, sont complètement d'accord sur le fait que c'est le petit sapin que tu mets dans ton char pour... Merci. Je pense que je peux monter ici pour un quart de cœur. T'as un sting bag, hein, fait que présentement tu dois même plus le sentir, donc c'est parfait! Ah oui, c'est vrai! Ah, t'as ton petit sapin s'en va! Oh, exactement, grâce à toi! Ça s'annule! Il y a un... Une place de terre. Non, t'as dit des gâches aussi? Ouais, j'en ai un. Bon, ben, comme ils disent, si on est chanceux, les odeurs vont s'annuler ensemble, mais sinon, ben, ça va juste s'empirer. Donc... Mais jusqu'à l'autre île, parce que à l'autre île, on va pouvoir. On va se débarrasser enfin du truc qui pue ou du sapin? Le truc qui pue. Le sapin, on le garde. Non, fait que ici. Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une bague! Ok. Oh, tu peux planter tout ça. Là, on s'en va. Faut-tu aller à la tour, là? Faut aller voir Ralph quelque part. Non, on voit la madame qui fait des radeaux. Ah, ok. Là, qui nous dit que Cheval. Ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Cheval. Merci de préciser. Qui a fait une corde super résistante. Ah, oui, il faut aller chercher la corde. Je pensais que je le voyais là. Ah non, t'es, je m'en vais. J'ai comme un blast place là, moi.
En fait, faut aller voir Cheval pour réaliser qu'il était... qu'il nous dit qu'il est en train de travailler sur sa corde puis qu'elle va être prête seulement dans quelques années. Wink, c'est... wink. Ouais, c'est pour... ouais, dans 400 ans. Dans le fond, pour préparer c'est... le... Ouais. C'est pour le radeau, ça. Ouais. Ouais. Il faut avoir une map puis une corde. Puis des flippers. Fait que lui, il dit, j'invente plein de choses, je suis cheval. Je, avant de mourir, j'espère pouvoir... terminer sa corde. Terminer ma corde puis mes flippers. Ok, mes, c'est flippers. Métal. Ça, ça va te permettre de nager, les flippers? Ouais. Ok. Ouais. Dans la petite eau non trouble. Ah, ça me semblait qu'il y avait une scène avec. Ouais, là, ben. Ouais, mais t'as pas un bel choix d'avoir une scène avec, de ce que je viens de voir. Avec, ouais, il y a Ralph qui dit ben, je vais trouver. Qu'est-ce que tu dis? Je vais trouver. La corde de cheval. Là, je veux une place pour. Aller dans le. Qu'est-ce qu'il dit sur cheval? Dans le champ? Lui, il est cheval, moi, je suis gémeaux. Il a dit. Et que là, on va aller dans le futur pour se réaliser qu'il est mort. C'est fun! Non, mais 400 ans plus tard, tu t'attends à quoi, là? C'est sûr! On va aller poser des bagues en fait. Hein. Ah, c'est vrai, t'en as trouvé d'autres. Blue Lock Ring, un demi damage from ring. Mais hein, pourquoi pas? Oh la belle. Ça coupe-tu tes dégâts, non? De moitié dans les. Tu sais, les trucs qui tendent des lasers. Ah, là, ok, ok. Je peux prendre, j'ai rien de mieux. Je trouve qu'il ressemble à Luigi. Non, il s'appelle Tony! Non, je parle du gars moustachu. Ah! Luigi! Ah, oh, ça se peut que ça soit des. Des références. C'est là qu'on va rencontrer bientôt notre ami Mouche. Mouche? Mouche. Moi, je pense qu'il se fait attaquer par des bébites, puis. Finalement, j'avais en tête qu'on pouvait aller voir le cheval, mais j'ai peut-être pris le mauvais chemin, fait qu'on va aller directement au cheval. Oh non, c'est Joe qui dit bonjour à Prescott. Allô! Oh, c'est ton ami l'ours volant! Oui! Il y a les ventons qui s'amusent à y faire du beurre. Ah, il est méchant. Il essaie de se pousser en haut de la map, là. Allez! Ding, ding. Tu n'as rien à craindre! Ne me mangez pas! Mais non, c'est pas Les petites bébites mangent pas les grosses. Là, on peut aller ici en haut. Il y a Cyanide qui trouve ça bien drôle que. Mais. Il y a des noms comme Mouche et Cheval, là. Ouais. Ça devrait plus s'appeler Oracle of Zoology, dans le monde. Ouais, je vois des palmes. Étape 1, je vais chercher les palmes. Étape 2, utiliser les palmes. Utiliser les palmes. Ouais. Tu peux te faire pas squasher entre les blocs. Oui, tu peux. Je pourrais le tester, mais non. Enfin, on a les palmes, on peut nager. Parce que personne ne sait nager sans palmes. Moi, je te dis que tes courants seraient trop forts, tu peux aller nulle part. Dis-toi ça comme ça. Ok. Ta-da-da-da. Je vois pas comment il peut aller porter sa corde. Sa corde. Allez. Je sais pas. Malgré que s'il y avait les palmes, il était porté la corde, puis ça, il a ramené les palmes, il a mis les palmes là, il a fermé la porte avec la tirette. Oui. Hey, c'était complexe son affaire. Hey, puis il a mis ça dans la cimetière. C'est un cimetière, ça? Ben, ouais. On est passé par le cimetière pour oh, aller ben là. Oui, c'est un cimetière. Merci, nous autres, on se promène dans les cimetières comme si de rien n'était. Hein? Ouais, hein, c'est... Nous, on a peur de rien. Je vais aller chercher mon...
Oh, ouais, ton arme. Une bague. Tony, il est pas peureux. Là, il faut la charte. En fait, je pense qu'il faut aller dans le passé, parler à la petite madame pour se faire dire qu'on a besoin d'une carte. Ah ouais, elle nous a pas dit qu'on avait besoin d'une carte encore, hein? On va retourner dans le passé. Ouais, parce que la carte, t'as repongé dans le présent un peu plus bas, là, avec ouais, Ricky, je pense. On va rencontrer Ricky. Ricky! Mais ouais, je pense que tu le saches. Ou tu peux peut-être y aller là? Non. Non, il y avait pas Ricky. Ah, ouais. C'est Annette qui dit dans le fond que dans le fond, Tony en parle rien, sauf de l'eau s'il n'y a pas de panne. C'est ça. C'est une réalité. Tony, vas-tu revenir à soir, Cindy, tu penses? Tony? Non, moi j'ai déjà Ah oui, c'est vrai, moi t'as déjà un néon fixe, ouais, c'est vrai. C'est pas une nouvelle qui commence. Les as-tu décidé ou ça va être les noms standards? C'est pas les noms standards, juste parce surprise. Que c'est pour le niveau suivant. Ok. J'ai hâte de voir ça. Ah, mais vous allez voir que je me suis pas traité quand c'est la tête. Faut que j'aille voter, moi, pour mon donjon, j'ai pas été encore. Ah oui, si vous avez deux ah, minutes, ouais, ouais. N'hésitez pas à aller voter pour le donjon que vous voulez voir à Twilight Princess. Le lien, est-tu dans le chat? Oui, il vient d'être mis dans le ah. chat. Merci, Tech! Ben... C'était parfait. J'ai expliqué ce qu'elle a dit, là, mais elle est contente d'avoir sa corde, de pouvoir faire son radeau. Puis elle a dit tout ce qui manque, c'est une carte. Puis lui, il va dire, la carte, je pense qu'elle est dans le présent. C'est ça qu'il dit? Qu'est-ce que tu fais, Tony? Faut une map? Mais je suis trop occupée oh. pour sauver Neru pour t'aider. On a eu un don de Francis Cournoyer de 17 et 23. Merci Francis! Donc merci beaucoup Francis. Je crois que Francis ça le dérangeait beaucoup le point 77. Parce qu'il a réglé le problème du point 77. On est maintenant rendu à 775$ qui a été donné pour la QPS. Fait que... on va retourner dans le présent. Nous chiffrons! Ben, y a pas mais il y a quelqu'un d'autre qui visait le 777 et 77, on a juste pour 2 et 77 si je calcule bien. Exactement. Qu'est-ce qui va nous donner à ce 777 et 77? C'est pas peut-être que quelqu'un va donner plus. Ah, ça peut être plus haut aussi, hein. Tu sais, faut se rendre à 1000, là. On veut voir Dan dans son costume d'enterrement de vie de garçon. Ah, puis j'ai retrouvé la cravate avec les cœurs en passant. Excellent. Dan serait vraiment beau de même. Elle attend sur ma table de chevet. Un costume de clown, je pensais que c'était un cosplay de Kingdom Hearts. Hey, Ricky! Oh! Salut, je suis Ricky! Moi, je peux sauter haut, sauter loin. Mais tu vois, j'ai perdu mes gants. Moi, c'est ce que je pense que je les ai laissés à côté de l'arbre, plus loin là-bas. Ben, je vais aller te les chercher, Je sais pas pourquoi je peux pas y aller comme un grand, là, mais... Parce qu'il faut ses gants pour bouger. Pour briser les feuilles, mais je sais pas comment il a fait pour se rendre là. Non, c'est... Fait qu'on... voici l'arbre. Et voici les gants! Wouhou! Yay! On va les reporter à Ricky. Fait qu'on a Ambrésia qui dit qu'elle adore Ricky. Merci! Et Martin qui nous a donné le 2 et 77 pour qu'on atteigne notre fameux 777 et 77. Oh non! On a un deuxième 2 et 77 de la part de Jonathan Rato! Donc, on l'a atteint, on a ça, 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 on en a quelques secondes! 77 pendant une fraction de seconde! Mais là, on est mal pris, là, faudrait que quelqu'un donne plus ça! Je me suis oui, fait Joe, avoir par mort! Fait avoir par mort, il était plus vite que toi là-dessus! Et ça! Donc, félicitations à mort d'avoir battu Joe de quelques secondes! Ouais. Tingle! Tingle, tingle! Grolling! Puff!
Oui, je vais être ton ami Tangle maintenant. Donne-moi ma map. C'est étonnant qu'il te la vende pas à un prix exorbitant. C'est gentil, Tangle. Non. Je te crois, Joe, je te crois complètement. Il fallait que tu rentres les infos, mais Martin aussi, il a fallu qu'il le fasse. Mais qui l'aime pas, en tout cas, Tangle? Il est pas gentil, Tangle. Il vend des cartes hors de prix. Des cartes hors de prix? Ouais, dans Majora's Mask, il te vend tes cartes, puis il les vend cher. Ah oui? Et niveau suivant qui rappelle que le 888 et 88 est encore à portée. Allez, revoir notre jeune enfant, Tona. Je pense qu'elle est rendue malade à ce point-ci, mais je pense que j'avais pas assez d'argent pour lui donner le maximum. Concrètement, je sais pas qu'est-ce que en ça plus, change. En plus, faut-tu payer pour cet enfant-là? Mais oui, il est malade, regarde! Tona, là, look étrange. Look étrange. Je vais l'emmener au docteur, mais j'ai pas assez d'argent. Il va pas au Canada, demande des allocations familiales. Fait que je vais lui donner 50, c'est ce que j'ai. Non, inquiète pas, Cyanide. J'imagine qu'il a été immortalisé, même s'il a été pendant comme une fraction de seconde, le 777 et 77. Il va apparaître dans le fond quand on va remettre les vidéos. On est inquiet que. Le bébé pour qui t'a donné de l'argent, là, va te faire que tu payes ses études. Je suis persuadée que oui. Probablement. Tu t'es embarqué dans quelque chose de plus grand que toi quand quand tu as donné un nom à ce bébé-là. Je sais pas concrètement, ça sert à quoi. Je pense que. Ça sert pas à grand-chose, me semble. À un moment donné, après, il guérit, là, mais. Fait que dans l'autre version, mixé, il donne des codes, fait que je sais pas si c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Mais je pense que c'est ça, je pense que de t'en occuper dans cette version-là, puis de t'en occuper dans l'autre version, il va te donner des affaires parce que tu t'en occupes dans l'autre version. Ah oui, parce que le code est différent à la fin. Ouais, c'est donne. Ça. Ouais. Je m'en vais pas au bon endroit, moi, du tout. On jase, puis ouais, c'est finalement. Ça. Faut t'aille revoir Cheval, c'est ça? Non. Non, l'autre, le dos du radeau. La fille qui fait des radeaux. Un loup? Je pensais que c'était une fille. Ou c'est une fille. Une doudette. C'est un doux avec la Power Crown. Ouais, c'est ça. C'était une doudette. C'était un doux. J'ai aucune idée. Je trouve que les filles et les gars, il n'y a pas vraiment de différence si accrue que ça des jeux de Game Boy en général. Hey, on a le radeau! Wouhou! Parce que juste le Power Crown, c'est Super Crown. Je me mélange, c'est le Power Up. Bon, on va se rendre à Lille! Oh no! Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, l'eau vient de changer de couleur là. Il fait pas beau? Non. Il y a beaucoup de vent? Il y a des feuilles qui viennent de l'océan. Parce qu'ils viennent de la terre qui est au-dessus là. Ok. C'est plus drôle de penser que ça avait. T'as-tu vu le singe passer? Il y a des animaux partout dans ce jeu-là! Non! Oh shit! T'as poussé! Voler tout son stock! Oh ben méchant! Tony s'est fait voler! Ben écoute, c'est quand même lui qui est parti avec ses affaires-là dans les places des autres. On lâche ça va, hein, famille. Pour aller nous. Je peux le pousser jusqu'au bout. Ce qui est gossant sur cette île-là, c'est qu'il faut que tu prennes un item, faut peut-être le réchanger pour avoir quelque chose d'autre, pis... Ah, c'est lui qui me donne... Mais c'est un beau puzzle. Ouais, non, c'est le fun comme... Cyanide est persuadé que c'est dans la même famille que Yoshi, ces bébêtes-là, non? Peut-être! Ah, les genres de trucs verts? Ouais. Mais officiellement, ça ressemble à des lézards verts. Ouais. Donc c'est très possible que ce soit des Yoshi. Wouhou! On va avoir mon épée si j'arrive à y parler. En tout cas! Wouhou, mon épée! Ils sont quand même fins, tu fais juste leur parler et ils te redonnent ton stock. Hein. Oh, ouais. Pas tout. Ouais, il y en a qui veulent des échanges. Ouais, c'est ça. Ils veulent faire du truc. Est-ce que tu sacrifies pour avoir des trucs?
des objets, des fois. Des seeds. Bah, tu finis par tout le récupérer. Ouais, ouais, tu finis par tout. Ouais. Comme lui, je pourrais acheter un. Ouais, je pourrais acheter mon. Un. Un shield. 50 rupees. No, thanks. Ouais, c'est d'argent pour ça. Mais non, tu l'as gaspillé sur ton bébé. Hey, c'est hey, pour une bonne cause. Ton âme avait besoin. pas l'assurance maladie. Non, pas ce style-là. Non. Ici, je peux rien faire. C'est les plus. Je peux pas les taper. Oh non! Aller en premier pour le Power Bracelet. Il veut des seeds en échange, mais vu que j'en ai pas, il va prendre ma. Oups, j'ai comme double piqué. Il va prendre ma pelle en échange. Joe, il dit qu'il trouve que tu juges pas mal de pas vouloir mettre 50$ sur un bébé. Tu veux ton sac qui pue, me semble. Ouais. Mais dans le présent, je pense. Ok, ça prend 400 heures. Hein, que ça donne quelque chose. Ça a cristallisé. Là, c'est quoi que tu fais, ça? Ben, récupère ces trucs-là. Okay. Les objets, là. Là, j'ai des bombes, pis L'épée pis le bracelet. Fait que tu trouves ce que tu peux faire avec ça. Là. Tu peux toutes les récupérer avant. Ouais, tu les récupères toutes avant le troisième donjon. Sauf le bouclier, je pense qu'il est différent. Il est screw, ouais. Ouais, c'est ça, il faut que tu le rachètes. Ok, c'est pour ça que tu le vends. À 50$. 5 fois le prix que tu pouvais le pogner à une autre place. Ben 30 c'est le montant normal. Je l'aurais pris à 30, mais là 50 j'aurais pas assez d'argent. Ça fait du bien cette fairy là. Sinon, j'attends la tour, ça demande comment ça se passe avec ton bébé Yann. Ça va bien, ça va bien. Pas trop de misère, tu t'es habitué vite. Oh, oui. Ah, il fait des popées en nuit. J'ai. Elle pas passé le fun. Yes. Good. Je vais aller chercher la pomme. Ah, toi, ça s'en vient, Joe aussi. On... En novembre, ta blanque, elle couche. Et Joe te répond oui, dans un mois, jour pour jour. Oh oh oh, ça sent rien, ça sent rien. C'est lui qui fait des échanges, lui. Ah, il m'a redonné ma chevaux. La chevaux que je veux, je fais la plume. La première fois que tu fais cet là, tu peux chercher longtemps quand même. Ouais, tu peux te perdre facilement. Ouais. Puis faut que tu fasses attention quand que, à un moment donné tu vas pouvoir switcher du présent ah, au passé. Ah, c'est là, ok. On va pouvoir jouer à ton petit jeu. Oh! Faut que je reprenne le premier place. Je vais complètement skipper cette place là. Tu lui donnes quoi pour que je joue au mini-jeu? L'argent, je pense. Oh. On va espérer que 35 c'est assez. Ouais, j'ai bien fait de pas dépenser dans un. Dans un shield, ouais. Dans un bouclier. Qui fait ça? Il était 50 au niveau du bouclier. Ouais, ok. Il me donne l'arbre qui va... Non, c'est bon. On va voir comment les contrôles vont aller sur GameCube.
Party. Tu peux pas t'en manquer. Non. Tu vas manquer. Le pire, c'est que c'est random parce que des fois, il y en a qui arrivent vraiment trop. Ben, il y en a deux qui étaient collés là. Ouais. C'est random comme une game. Ouais, je pense que c'est fini là. On va falloir aller se trouver de l'argent. Là. Ouais, parce que là, on a plus d'argent. Dernière chance. Souvent, ce que je faisais là, je jouais cheap shot là, j'y allais avec un peu d'argent, je savais avant, puis quand que j'avais plus d'argent, je reloadais. J'avoue que ça serait faisable. La place va grinder de l'argent. Fais attention parce que le dernier il va plus vite. Ah ouais? Ouais. Il est rouge aussi. Ouais. Hein? Yeah! Yeah! Wouh! C'est correct. Good job. Je pense qu'on le méritait ce coup-là de l'avoir. Ouais! Lui t'as donné quoi? La plante là que tu peux aller planter. Donner au dos d'en haut pour qu'il plante pour avoir les graines jaunes. On va retourner là. C'est pour ça que tantôt quand j'étais là, ça me servait à rien du tout. T'avais pas encore ça. Non, c'est ça. Il y en a un autre qui est son satchel de je sais pas quoi. Hein? Ouais, on va aller chercher juste après. Parce qu'il te gaze avec sur le bout de sa montagne depuis tout à l'heure. Bon, il dit que ça va prendre bien du temps. Wink wink. Avant qu'il pousse. 400 ans. Ouais. Moi, toutes les fois qu'il me dit ça, c'est 400 ans. Ouais, c'est ça. Bon, la plume. Il a donné du shovel, lui, il fait comme, pas vrai, c'est une vraie drogue. Il veut que ce soit la shovel contre la plume, pis le bracelet contre la shovel. T'as pas ton échange possible. Non. Un bracelet, c'était quoi ça? J'ai faim! Moi aussi, je, ouais, moi aussi, je commence à avoir faim avec ça. C'est là. Il est midi, ouais. Fait que bon appétit à tous ceux qui dînent. Ouais. Peut-être que je vais pas avoir les pannes avec ça. Et voilà. Il reste 20 minutes, t'as rendu au troisième donjon. Une bonne branche, je pense. Ouais, les palmes. Bon, fait que là, il faut que je retourne tout le tour pour aller chercher le croissant. Ouais. Mais vu que t'as tout le temps deux items qui sont là, parce que comment tu vas faire pour les récupérer ces deux-là? Ils te les achètent contre des seeds. Ok. Fait quand tu, ouais. quand j'aurai mon satchel, je vais être correct. C'est ça. Ok. Ligne droite, là! Tony, ligne droite! C'est ça. Je veux mourir. J'avoue que les contrôles doivent être pas mal plus difficiles avec. De mourir quand même, je trouve. Ça va pas bien, mais c'est moins fluide, je te dirais. Ah, il y a peut-être un input lag, peut-être. En haut ici, avec quoi, je me rappelle plus. Ah, il y avait, je pense que mes satchels, là. Mes graines qui sont là. Ce serait le fun parce que. Ah, c'est fin, si tu peux avoir tout fait ça pour te rendre compte qu'il fallait le bracelet. Ben, il fallait le bracelet pour aller. Ok. Oui! En fait, là, t'as une autre sorte de graine. Ouais. Oh non! Je vais aller le replacer parce que. Ça, c'est utile dans le futur. Fait
là, avec ça. Il y a Asta Lessa qui dit Allez Linachou. Qui? Asta Lessa. Allô? Je sais pas c'est qui. C'est quoi ton nick? Qui toi? C'est ce que je veux savoir de qui toi? Oh, c'est nos choux! Ok. Ça va avoir l'autre, non? Ah, c'est les stamps, ok. Fait que là, c'est bon. Fait que grâce à ça, je vais pouvoir aller atteindre l'arc qui va pouvoir me mener au futur. Je vais pouvoir ramasser des nouvelles sites. Et récupérer d'autres objets. Ouais. J'ai entraîné 400 ans là. Ouais. Est-ce qu'il y a personne d'autre qui est allé dans ce coin-là depuis 400 ans, c'est bien ça? Mais en fait, tu vas dans le futur pour ramasser les seeds, puis tu reviens dans le passé pour les échanger. Ok. Fait que tu ramasses pas vraiment de termes dans le futur. Non, non parce que t'es... Non, dans le fond, en futur, c'est tous les bonhommes bizarres qui t'es envolés. Bonhommes bizarres, c'était des Yoshi, on était tous d'accord que c'était des Yoshi tantôt. On est arpe. Les Yoshi préhistoriques, mais les Yoshi quand même. Ouais, c'est ça. Ah oui, ici en haut, il faut la. Il faut la chabot pour aller là. On a-tu un don de 54 sous ou... Non, non, c'était le deuxième. Ah oui, oui, qui a fait. Ouais. Qui a fait un chiffre bizarre. Ok. C'est bizarre. Les Yoshi préhistoriques, ils trouvent pas ça bizarre pour des portails comme ça? Ben non, ils sont habitués. Je m'en ai vois assez souvent que ça leur dérange pas. C'est ici. Non, ici. Ah oui, c'est... Je pense que lui, faut que tu lui donnes le sac qui pue. C'est ça, parce qu'il dit qu'il arrive à rien sentir. Que tu lui donnes le sting bag pour déboucher le nez. Ça pue! Il devait vraiment être intense s'il sentait rien, pis ça, il l'a senti. Là. Il est bien content, pis là, il va me donner de la. Wouhou! Tasty meat! Fait que selon Cyanide, c'est une variété de Yoshi très rare qui sont les Yoshius sans langus. Qu'est-ce que c'est? J'avoue qu'on les a jamais vu ouvrir la bouche. C'est ailleurs le musée. Le musée pour te rappeler de. C'est un beau musée. On va aller faire le tour. Attention, aux vignes de pousser. C'est si j'avais pas compris qu'il fallait que je pousse les trous de verre sur le bord des murs. Ça aurait pu, ça aurait pu. C'est ça. Le prochain coup, le premier coup que tu le fais, ça se pourrait que tu ne penses pas. Oui. Je confirme que la première fois, j'y pensais pas. Je demande à quoi ça sert, mais. Ouais, c'est. Je de le faire. On est à l'homme, là. Après une demi-heure. Bon, fait que là on va remonter, on va aller prendre notre shovel. Puis on va tout avoir nos items, c'est bien ça? Ouais. Oh yeah. Ok, il va juste rester le temps pour aller. Ouais, fait que là avec la shovel, tu peux aller à une place pour te téléporter pour être proche du temps, c'est ça. C'est ça.
qui est à spot qu'on a vu tantôt. Là. Ouais. Je suis pas continué mon chemin parce que. Parce que ça donne à rien parce qu'on avait pas. J'avais besoin de pour y aller. Alors, on sort ici. Quand même pas péril, tu vois. Ouais! On pourrait rendre ça touristique et faire de l'argent avec ça. Ils ont un musée! C'est vrai, ils ont un musée! Moi, je trouve qu'ils ont compris quelque chose! Kishling! Malgré que. Ça a rien coûté quand Tony est allé voir le musée, fait que c'est pas non, très bien. Non, c'est ça, je suis. Oh, mais Tony est VIP. Ah, ok, ça se peut. C'est pas chez Seas Island. Ben on va avoir le temps de rentrer dedans. Ouais. 6 minutes de faire un petit bout. Et voilà. C'est quoi dans ce genre? Grotto... Ils disent quoi? Ah oui, ok. Moonlight Grotto. Non, c'est quoi loin de ça? Beurre, fixeur, que j'ai vu. Ah oui, tu pognes le... Le lance... Ouais, le lance-graine là-dedans. Non mais... Le... Non mais là, je peux pas... Ok, c'est bon. Ah, ouais. Le... Tu sais répéter ça, Yann? Non mais le... Seed... je sais plus quoi, là. Seed shooter. Ah... Oh, mais il est dur. C'est moins pire. Exploser ça. J'avais eu de la misère dans mon rôle, mais je me suis un petit quoi. Moi, quand j'étais petite, là, ça m'a pris bien du temps à comprendre que les petits tourniquets, là, fallait que tu penses deux fois dessus pour tourner, fait que j'étais bloquée. Ah ouais, ouais, ça faut que tu... C'est ce qu'il faut faire en fait. Dépendant de la couleur, il va te faire virer de l'autre bord. Faut que tu joues avec ça. T'inquiète pas, là. T'en sais avoir le clé, vraiment. Dans cette pièce-là, il me semble que oui. Fallait pas que tu mettes l'autre dessus. Ah oui, c'est ça. Fait que t'es parti trop vite. Fait que je t'en fais ça. Fait que là, finalement, pour comprendre cette affaire-là, j'avais acheté le kit. C'est pour réaliser qu'il fallait que je passe deux fois dessus pour. Oh! Après ça, tu t'en veux tellement, t'es comme. C'était bien évident. Voyons donc. Hein? À côté c'est de la clé deux fois. Ton jeu après, ça donne.
J'ai pas de shield pour vous de toute façon. Ah, je sais pas si tu vas en avoir vraiment besoin d'un. T'es pas obligé de les tuer, non? Non. Ah, c'est les bouffeurs de. C'est-tu des chouchous? Oh, les like-like. Ok, c'est like-like qui s'appelle. Je sais pas si c'est bon. Je trouve ça a juste l'air d'un gros beigne ambulant, cette version. Bah, c'est un gros beigne ambulant, hein, cette version-là. Non. C'est chiant, j'ai toujours la misère à les tuer, celui-là. Oh, un don. Oui, fait que merci à Jacinthe Langlois pour son don de 30$. Merci. Donc, merci beaucoup. Elle dit, on lâche pas la gang. Mais non, on lâche pas, merci. Let's go, là. Lui, il s'attend la durée sur sa bombe. Lui, il fait des. Ok, il a des échanges de direction finalement. Ouais! Nice! Allez! Good. On est dans le monde. Ok, à plus tard, Astalessar. Je pense que le bouclier peut être pratique à ce bout-là du jeu. Canon, là. Ben, t'as une épée, ça fait déjà. L'épée, c'est pas ça. Ça, c'est juste long parce qu'il faut juste attendre que tous les panneaux passent. Ah, pis tu peux pas faire un glitch pis faire avec une bombe pis te faire apparaître sur des blocs comme dans le domaine. Non, c'était pas mal moins long que. Ah, c'était pas besoin de le tuer. Ok, les autres te dérangeaient par contre. Ah, oh, mais écoute, je pense que ça en va. Les clés? Non! Ce que j'ai raté, moi, par ici. Droite, il y avait de quoi à côté? J'ai tué la. Il reste une minute! Minute? Une minute! Minute pour trouver où la clé qui me manque. No pressure. No pressure. Faut peut-être que je. Faut battre le boss! Faut te battre le boss! Je pense qu'on va passer cette minute-là à péter des tuiles. Ouais. Je pense qu'il faut que je descende en bas en fait pour remonter. Pour avoir la clé. C'est descendre en bas pour remonter, c'est. Hein? C'est ça. Bon ben merci à tous! On continue avec Martin. Martin, tu joues à quel jeu? Ratchet et Clank. Ratchet et Clank. Ratchet and Clank Remaster, c'est ça? Ouais. Cool. Merci d'avoir été avec moi. Avec Martin. Merci. Bye bye. Bye bye. J'ai chaud.